Waouh! Gotrek! Go, Subtago! Godessark! Subgorak! Bon, eh bien, les affaires sont reparties. Plus précisément, la construction. La construction de Godessark Own. Alors j'en ai été à la toute première étape de construction. J'en étais arrivé à la fin, justement. Qui est le montage de la structure de tout ce que l'on voit ici. Que l'on peut assimiler à une ossature, un squelette. Voilà, donc j'en étais arrivé donc à la fin de cette étape et a commencé la deuxième étape de construction qui est celle de la pose des tôles. Des plaques d'acier que l'on voit ici. Voilà, donc en fait, j'ai à peine fini la première étape que je commence la seconde. Alors je dis à peine fini la première étape parce que quasiment à 100%, disons à 95, eh bien la structure est réalisée. Il reste plus que quelques détails comme finir donc la structure de l'avant du roof que l'on voit ici. Voilà. Alors comme finalement j'ai modifié le roof, c'est-à-dire que je l'ai allongé d'un mètre, eh bien il faut que je rajoute un barreau. Voilà, qui va se loger ici. Voilà, comme ça. Puisque le haut du roof est finalement, donc va s'arrêter ici, un mètre plus loin. Et le bas du roof donc va descendre jusqu'ici. Jusqu'à seulement 2,20 m environ de l'étrave. Voilà. Et là où je me trouve, eh bien, il y aura la deuxième ouverture principale qui sera donc l'écoutille à vent. Voilà. Donc ici l'écoutille à vent, tout à l'avant du roof, qui donnera accès donc à la plage avant. Et je vais lentement parce que faut vraiment faire attention où on met ses pieds. Et ici, je me trouve
dans l'ouverture de l'écoutille arrière de Nant sur le cockpit arrière. Voilà, donc les tout derniers travaux de structure. Donc pour le pont. Voilà, le montage de ces dernières modifications. Voilà, de la partie avant, avant et arrière du roof. Et au niveau de la coque, eh bien, la pose de deux paires de lisses, qui sont ces éléments-là, et la pose de du fer de quille. J'allais dire de quille, mais ce voilier n'a pas de quille, étant finalement construit en dans sa version dériveur intégral. Quillard ou dériveur, de toute façon, il y a toujours le fer de quille. Voilà, qui sera donc le tout dernier élément de structure qui sera posé. Puisque les fonds de la coque, donc sera la dernière partie à fermer la boîte. A plus, c'était Tolric.